Ouais. Oh. Ce que t'as dans la bouche, ça te tuera avant l'heure. De quoi? Je dis ce que t'as dans la bouche actuellement, ça te tuera avant l'heure. Non, non. Oh. Alors, radio, oui, je suis actuellement au poste de police, je vais partir en fédéral. Radio, je vais partir en fédéral. Donne-moi ta radio là, donne-moi ton téléphone. Moi je pensais qu'il te l'avait récupéré là. Ils me prennent ma radio. Je la. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça tout le monde est au courant. Préparez-vous. Préparez-vous, ça va Oh putain! C'est bien lui! Et hop, ça part direct en prison. Ah, Vous avez préparez-vous. écrit Moi. une communication dessus? Bien Bien entendu. entendu. D'accord, parce que non, parce qu'il disait qu'il était en train de faire un appel radio, parce que du coup. Il fait rien du tout, là. Vous les avez pas D'accord. pris. Et là, on vient de me les prendre, là. De toute façon. Dans tous les cas, là, il y a tout le monde qui arrive, là. Ouais, Vous tout le êtes monde dans qui la arrive, tu sais merde. quoi? J'en ai Vous rien êtes à foutre, dans mon la petit merde. pote. Excusez-moi. Tu vas Vous êtes finir au dans la trou, merde. t'auras même pas le temps de bouger, mec. Sergent 33, chef. Ouais. Il y a J'ai un affaire monsieur de la à MS là. Qui nous suivent avec moi, le MS. J'ai affaire à qui là, ce qui me transporte? Du coup, je vais prendre mon service, T'as moi, vu que affaire, je tu vais sais mourir. qui t'as affaire? T'as celui Faites-moi mon petit soin. qui a parlé pour que t'ailles en prison. Faites-moi mon petit soin. Vite, Le vite, vite. procureur, Eh ouais, c'est ça, ouais, le procureur. Ah, le procureur, Ouais, qu'est-ce s'il vous qu'il fait le plaît. policier maintenant? Lance-moi Hello Ah, t'as Kitty, regardé les méchant. infos. Ah, mais j'ai carte T'aurais inné, vu mais que je suis l'ex-commandant, il dedans. fournissait des armes à ton p*** de... Ah, merci. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, tu me dégoûtes. Eh ouais, mon pote, les affaires, c'est les affaires. Ouais, les affaires, c'est les affaires, tiens. Ouais, tes potes, ils pourront pas venir t'aider cette fois. Je te réserve un petit traitement spécial. C'est vrai? Ouais. En hélico? En hélico, incroyable, non? Oh, oula, j'ai mal aux yeux là. C'est mieux? Non, non. Oh, mes yeux. Je sais pas ce qui se passe. J'ai vraiment super mal, du coup, j'ai l'impression d'être à la mer, quoi. C'est mieux, c'est mieux. Hop, exceptionnel, hein, on n'a rien vu. Ah, Allez, levez les mains. Ouais, vous allez venir avec moi, vous le sanglez bien là derrière. Avant d'aller en prison, on pourrait discuter un peu, non? Non, j'ai pas le temps de discuter avec cette rate. Bien, je veux pas qu'il saute, hein. Attachez-le bien là. Je veux pas qu'il saute, s'il vous plaît. Ah, mais sergent chef, vous m'écoutez ou pas quand je parle? Quoi? Ah, j'ai pas entendu. Vous pouvez me le sangler là, je veux pas qu'il saute. Ah oui, tout à fait. La prise est trop belle. La prise est trop belle, c'est moi qui me suis vendu. Allez, Ouais. hop, autour de la taille. On va prendre les mains aussi, comme ça au moins on est sûr que vous tentez rien. Oui, moi je t'ai Hop là. entendu, mais Ah, donc je disais, c'est moi qui me suis rendu, vous m'avez pas attrapé. Donc ne soyez pas. Vous m'entendez ou pas? Oh ouais, vous en aviez marre d'être en cavale. Marre Ouais, d'avoir c'est toutes les ça. forces de police à votre recherche. Putain, fallait que ça tombe sur moi. Ah là là, ça va faire bien ça dans le journal. Ah, pour commencer ma carrière de commandant, incroyable. Dès que je Effectivement. sors derrière les barreaux. Ah, ça m'a enlevé une épine ça. C'est Je vais mieux rendu dormir. de son plein gré. Ouais, bah écoutez. N'hésitez pas à Les le. seuls les vainqueurs écrivent l'histoire. D'accord, donc en gros, vous allez mentir. Qui sera là pour le dire? Vous savez que j'étais en radio, donc que tout le monde a entendu Ouais, bien entendu. que je me suis rendu. C'est leur version contre la mienne. Ouais, c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez l'air d'être un homme bon, monsieur le commandant. Bien entendu. Ne pourra jamais se côtoyer. Bien entendu, ça. Je vous le fais pas dire. Par contre, je vous demande juste. Bah, de m'accorder une petite discussion, j'ai peut-être quelques infos à vous dévoiler avant de partir en prison. On va voir. Ça pourrait être intéressant, non? Peut-être. Regardez, ils sont où vos amis là? Ils sont où? Ils vous ont abandonné? Pour ça, peut-être que vous allez me parler, non?
Mes amis, je les ai pas appelés. Vous croyez vraiment que j'allais me rendre? Ah mais je me suis rendu et vous pensez que j'allais appeler mes potes pour qu'ils viennent? Ce serait débile. Vous pouvez me désangler? Ah, merci. Voilà. Ok, parfait. Bon. Tournez-vous. Je vais me plaire ici. De toute façon, il fallait bien que ça arrive un jour. Hein. Bien entendu. Je suppose que je vais avoir droit à une petite photo. Levez les mains. Moi, je suis pas adepte de ce genre de pratique. Attendez, quand même que je sois beau. Écoutez, je vais vous donner un téléphone. Vous allez pouvoir appeler une personne que vous souhaitez, la personne de votre choix. J'ai personne à appeler. Vous n'avez personne à appeler, vous êtes sûr? Certain. Bon alors, qu'est-ce que vous aviez à me dire apparemment? Qu'est-ce que je vais vous dire? Attendez, je prends des notes parce que j'espère que la liste est longue. Oh, prenez des notes. Hein. Allez, j'écoute. Alors, je tenais à vous dire que vous êtes quand même une bande d'incapables. Vous n'avez pas réussi à me trouver alors que j'étais là tout le temps. Comment vous avez fait pour pas me trouver en fait? C'est quand même incroyable. En fait, on vous cherchait même plus en fait. Ah, vous me cherchiez? Bah non, on attendait que vous veniez à nous. Ah bon? Super. Je tiens aussi à dire que j'ai tué beaucoup de personnes. Et que cette vie criminelle ne me plaisait plus en fait. Voilà. Au bout d'un moment, faut savoir se repentir, vous voyez. C'est tout? Bah vous voulez savoir quoi d'autre? Vous voulez savoir quoi d'autre? Ah, vous voulez des informations sur les gens en ville? Ah, moi je veux des infos sur les groupes criminels. Ah, là, je peux vous dire qu'il y a deux groupes criminels en ville. Les Blackstones, donc je suis le chef. Hein. Et les Vagos. D'accord. Il y a qui d'autre dans les Blackstones maintenant qui me reste à éliminer? Oh, il reste personne. Vous savez, les Blackstones se sont un peu dissimulés, on va dire. Ah, donc ils existent encore? Ils n'existent plus. Tels des petits rats, ils se cachent, en fait, ils se terrent. Non, on peut dire qu'ils n'existent plus. Ah, mais ils n'existent plus. Non, non, les Vagos, ils sont là, ils sont présents. Les Blackstone, ils sont aussi présents que votre fracture ouverte au tribunal, c'est ça? Non. Pas du tout. Mais du coup, ils sont là? Ils sont là, mais ils sont pas là. Bah, c'est ce que je dis, comme votre fracture. Ouais, voilà. Elle est là, mais personne la voit. Exactement. Incroyable comme histoire, celle-là. J'avais vraiment eu une fracture ouverte. Ouais, c'est ce que vous aviez dit, hein? Ouais, c'est ça. Vous voulez que je vous ressorte le diagnostic? Diagnostic médical, ouais, je veux bien. Diagnostic médical de Mademoiselle Sprite. Oui, j'écoute. Alors, hop, nez cassé. Fracture ouverte, jambe droite, écorchure sur le corps et manque de l'incasté, à savoir un pouce. C'est incroyable. Voilà. Ok. C'est tout ce que vous avez à me dire? Je pense. Hein. Je pense. Très bien, bon, bah écoutez. Hein. On va faire la petite prière qui s'impose. Hein. Ouais, effectivement, on peut faire ça. Vous avez attrapé Tech Junior. Incroyable. Franchement, ça va faire la une des journaux. Ah, c'est sûr. Vous voulez prendre une photo, les mecs? Parce que là, je peux vous dire que faite. Celui-ci, c'est elle ça, a été c'est faite, une elle a été faite déjà. Elle a été faite. Tu beau gosse ou pas au moins? Super. C'est un peu écrasé au sol à l'atterrissage, lui.
Salut. Alors là, j'accepte pas cette fédérale. Laissez mon pote tranquille. Bah, il s'est rendu. Non, non, il se rend pas. Non. Je vous braque maintenant. Laissez-le repartir. Ça, c'est fait. Il a fait l'assommation tout seul. C'est RP, ça. Bah, t'as fait l'assommation tout seul, hein. Mais j'ai même pas tiré. Je te prends ton clavier et ta souris. T'as pas besoin de tirer une sommation orale, ça suffit. Attends, je t'enlève ton casque, là. Ah, pardon. Bon, dès que Junior, c'est la fin. Bah, c'est la fin, hein. C'est bon, faut changer un peu de temps en temps. En tout cas, j'ai une chose à dire, c'est que ton revolver, il est bien gardé. C'est qui l'a? Je tairai le nom en présence de certains policiers, mais... Ah, mais je sais c'est qui. Il est bien gardé, ton... Il avait été repris, tu vois. Ouais. Mais on l'a re-repris après. Mais c'est qui l'a? C'est Fash. HRP, c'est Fash. Jure. En gros, c'est Fash qui l'avait. Ouais. Et... Il y a un mec qui avait braqué Fash, et nous, on a re-braqué le mec de... Ah, c'était ça l'histoire. Et vous savez que c'était le mien? Ben non, parce que le tien à la base il était au policier. Mais il n'y en avait que deux, des revolvers en ville. Ben oui, mais c'est le tien que les flics ils avaient. Oui. Et les personnes, les peintres, ils l'avaient braqué sur les flics. Laisse-moi faire une photo là. Ouais, ouais. Putain, j'avais même pas. Putain, il me l'aurait même pas dit. Hein. Ces bouffons là. De toute façon, dans tous les cas, maintenant je vais arrêter les peintres. Oula, vous êtes là? Ouais. Ok. Juste le commando, il veut faire une photo, donc on fait silence. C'est bon, vous pouvez parler, hein. Non, non, vous laissez vous concentrer, on sait que vous avez du mal. C'est bon. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir, hein, cette vie de criminel, tout ça. Ah, ça me fait plaisir, là, de te voir là, t'es bien. Ah, on va être bien là. On va être bien. On se revoit bientôt, hein. Je pense. Vous viendrez me rendre visite. Ça, ouais. Je viendrai voir à quel point vous me faites de la peine là maintenant. Oh, mais vous inquiétez pas, j'ai pas le contrôle. T'inquiète, on reprend le flambeau. TB, t'inquiète. Oh là, je vous conseille pas. Comment ça? Je pense que vous allez pas faire le bon feu, les gars. Sauvage, va faire de la maille, là. Rattrape-moi un peu, tu me fais de la peine. Non, mais toi, t'es un peu trop d'aide, je trouve. Tu vois? J'ai pas d'aide, moi. Là, je te dis combien j'ai aujourd'hui ou pas? Parce que tu vas te mettre dans les bombes, je pense. Vas-y. 471 000. Eh ben, dis donc. Un vendeur d'armes qui touche moins qu'un putain de juge ou procureur. C'est grave, quand même. Commandant. Commandant, maintenant. Bon, bref, vous pouvez me foutre en fédéral Ouais, je te mets en fédéral. Histoire que je revienne. Un plus dans le bus. Vas-y, à tout de suite. Putain, en vrai, putain, je l'aurais bien buté. Je l'aurais bien emmené dans un truc, je l'aurais bien détruit. C'est pas possible. Non, mais je peux pas le faire, mais. Mais tu es le policier. Oui. J'ai de la drogue à farmer. Vas-y, on se retrouve sur les points. Ah ouais, on se retrouve sur les phobies. A tout de suite. Ça marche, vas-y. Merci, mec. Si on peut faire un rapide retour au Comic Pro vers les 5 minutes, ça serait cool. Oui, vous inquiétez pas. C'est qui? Thank you.
Bah tu rigoles. Hey. Non mais tu rigoles, mais quand tu fais la formation hélico, c'est ce qu'on te fait faire en fait. Passer sous les ponts ici. Bah moi ma formation hélico, on m'a fait passer sous les ponts. Il est où l'hélico, le petit l'hélico, pas plus. Allez, boum, boum le cadet. Fais une mouche sur la derrière la nuque.